Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, nous sommes samedi. Samedi, j'ai donc cet autre thème d'information politique sur la transition guinéenne. Chers compatriotes guinéens, vous connaissez effectivement, disons, ma méthode de travail. Vous savez effectivement ce qui me motive réellement à, en fait, lancer, disons, un direct, n'est-ce pas? Alors, surtout quand il y a des discours irrationnels de la part, disons, des leaders politiques guinéens, surtout, n'est-ce pas? Des discours irrationnels. Alors, parlant des discours irrationnels, eh bien, chers compatriotes guinéens, voilà, je vais parler de Lansana Kouyaté. Je viens d'écouter un discours de Lansana Kouyaté. Un discours, disons, de début à la fin, disons, plein, disons, d'irrationalité. C'est énervant. C'est quand même, vous allez comprendre tout à l'heure dans mes explications. Je crois que Lansana Kouyaté a beaucoup à apprendre, n'est-ce pas? Ou tout simplement, voilà, s'il le sait, effectivement. Alors, mais pensant à cette Guinée composée de plus de 60% d'analphabètes, alors il en profite, hein, comme beaucoup l'ont fait auparavant, en fait, cracher sur la population guinéenne, manquer de respect, disons, à la population guinéenne. Donc ça, j'appelle ça de la lâcheté, l'hypocrisie, n'est-ce pas? De la lâcheté, l'hypocrisie de la part de Lansana Kouyaté. Chers compatriotes guinéens, je vais, après ce discours, après ce direct, je vais publier ce... sûrement, vous l'avez écouté quelque part. Je vais publier, en fait, ce discours de... C'est une vidéo, des discours, donc, de Lansana Kouyaté. Vous allez écouter. C'est quand même à faire pleurer. C'est quand même incroyable. C'est vrai. C'est très irrationnel. Voilà pourquoi je... Voilà. Il faut que j'intervienne pour donner, je dis bien, pour donner. Ce n'est pas une façon, disons, de me jeter des fleurs ou non. Vous comprenez, j'ai dit bien, donner des leçons à Lansana Kouyaté. Des gens pareils qui veulent tout simplement, parce qu'il est leader politique, retenons-le, Lansana Kouyaté est leader politique, donc il a un parti politique, alors qui prétend, des gens comme ça qui prétendent être, disons, gérer la présidence en Guinée. C'est quand même incroyable. Si dans un discours d'un leader politique, il n'y a pas de raisonnement, ils ne savent pas raisonner, n'est-ce pas? Où ils savent raisonner, mais voilà, dominés par la lâcheté, l'hypocrisie, alors ils laissent ce côté rationnel pour se jeter dans l'irrationalité et tout simplement pour tromper les citoyens. Très bien sûr, comme dominé. Alors, Lansana Kouyaté, dans ce discours, donc il était, je crois, face aux journalistes. Des journalistes lui ont posé des questions, questions et principalement sur, disons, le retrait des agréments. Disons, de cet immédiat par la junte militaire. Donc, la question a été posée à Lansana Biarogui, plutôt, pas Lansana Biarogui, s'il vous plaît, Lansana Kouyaté, n'est-ce pas? Alors, Lansana Kouyaté, alors, on demande tout simplement sa réaction, alors, face à cette attitude, disons, barbare, disons, de la junte militaire, face à la presse. Très bien. Et, qu'est-ce que dit Lansana Kouyaté, cher compteur guinéen? Franchement, c'est quand même incroyable, c'est vrai, ce que j'ai entendu de Lansana Kouyaté. Très bien, sur la question concernant, disons, les journalistes, la presse, n'est-ce pas? Alors, et là, dans cette question, Lansana Kouyaté lui-même s'est créé un autre thème, cette fois-ci, sur la démocratie, n'est-ce pas? La doctrine démocratique. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, sur la presse, concernant, disons, ce retrait des agréments, disons, disons, de certains médias par la junte militaire, Lansana Kouyaté dit que, bon, écoutez, il dit, je suis contre la presse, plutôt, je suis contre, il dit, je suis en faveur, disons, il dit, il est en faveur de la presse, excusez-moi. N'est-ce pas? Il est en faveur de la presse. Il ajoute le « mais », je suis pour la presse, mais, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ça, déjà, c'est grave. Je suis pour la presse, mais. Ça, c'est clair, chers compatriotes guinéens. Alors, je dois signaler ce point avant de rentrer tout dans les détails.
Là, c'est-à-dire parlant de la lâcheté, parce que dans le thème, je parle de la lâcheté, l'hypocrisie. Ça signifie quoi réellement? Alors, la lâcheté de l'ansana kuyate, c'est quoi? Effectivement, c'est que cet homme ne peut pas trancher. Il ne peut pas trancher. Il est leader politique. Il ne peut pas trancher. Il veut tout simplement se faire, disons, aimer des deux côtés. N'est-ce pas? Du côté du pouvoir, il ne veut pas aller loin dans les critiques. N'est-ce pas? Sachant la vérité. Mais aussi de l'autre côté, l'opposition, là, il veut être, en fait, il veut être dans les deux camps, être dans l'opposition et aussi du côté de la mouvance présidentielle. C'est ça l'attitude, disons, lâche de l'ansana kuyate. Vous l'avez vu face à Fakonde? L'avez-vous vu une fois tranché de manière catégorique dans ses critiques à l'égard de Alpha Condé? C'est-à-dire, Alpha Condé, nous avons vu ce qu'Alpha Condé a fait, qui n'a pas. En fait, qui a faussé de début à la fin, et qui finalement, vous avez eu le chaos avec son troisième mandat. L'ansana kuyate n'a jamais tranché à 100%. Il a toujours donc tenté cette politique, donc mon pied, un pied dans l'opposition, un autre dans la mouvance. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand il doit critiquer, il critiquera l'attitude d'abord de l'opposition. L'opposition, vous avez raison, mais écoutez, vous ne devez pas agir ainsi. Et le pouvoir est là aussi, sans aller loin dans les détails, n'est-ce pas? Ça veut dire, concernant le pouvoir, il se tait. L'opposition, il critique. Concernant le pouvoir, il se tait. N'est-ce pas? Très bien. Donc, ça, c'est l'attitude, en fait, de, disons, que j'appelle de lâcheté de l'ansana kuyate. Et l'hypocrisie, c'est en fait, l'hypocrisie, il sait effectivement... Il sait comment fonctionnent les choses, il sait la vérité, il sait, disons, le comportement barbare du pouvoir, mais voilà, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. N'est-ce pas? Il est hypocrite. Et ça, c'est très grave, cher compatriote. Je reviens sur le discours de l'ansana kuyate. Alors, face à la presse, face à cette, pour répondre à cette question de la presse qui lui demande sa réaction tout simplement, la presse veut savoir sa réaction face à ce comportement, l'acte donc du pouvoir face aux médias. Alors, il dit, bon, je soutiens la presse, mais écoutez, il le dit, mais écoutez, je ne sais pas, c'est l'ansana kuyate qui parle, je ne sais pas le journalisme, comment ça se passe en Guinée, vous comprenez déjà. Alors, il ne sait pas comment ça se passe, et il va jusqu'à dire une citation, et dire que, voilà, les journalistes utilisent souvent, « Je n'aime pas ce que tu dis, je n'aime pas, c'est une citation, je n'aime pas ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu dises ce que tu veux dire. » N'est-ce pas? Voilà, entre guillemets. C'est l'ansana kuyate qui le dit. Alors, il demande, bon, écoutez, la démocratie, bien sûr, la liberté d'expression, le droit de critiquer, etc., etc. Et c'est bien, mais il dit, écoutez, faites cela avec responsabilité. Avec responsabilité, cher compte guinéen. Il dit, le droit, c'est bien le droit, mais il faut savoir utiliser ce droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, l'ansana kuyate, il y a ce comportement de lâcheté. Alors, vous voyez, il veut se mettre un peu au milieu. Il dit, la presse, oui, je soutiens la presse. Il dit, mais, vous comprenez? Et là, tout sur la presse cette fois-ci. Et vous verrez pourquoi ce monsieur est un lâche. Parce que là, il n'ira pas loin comme il vient de le faire face à la presse, en allant en profondeur. Face à la junte militaire, il ne le fera pas. Alors, en profondeur avec la presse, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le droit, d'accord, le droit de s'exprimer, le droit de critiquer, d'accord, mais écoutez, il faut savoir utiliser ce droit. Il critique la presse. Après avoir dit qu'il soutient la presse, il critique, d'accord. N'est-ce pas? Alors, il faut savoir utiliser ce droit. Le droit de critiquer, le droit, en fait, disons, d'être critique à l'égard du pouvoir, à l'égard des membres du pouvoir, etc., etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez des informations, vous devez publier, n'est-ce pas? Rendre publique une information. Alors, soyez d'abord sûr, convaincu que vous avez des preuves. Ne donnez pas des informations, ne publiez pas des informations sans les preuves palpables. N'est-ce pas? Voilà, il est en train de critiquer la presse.
Après tout ce qui se passe en Guinée, face aux bourreaux, face aux barbares, les barbares qui massacrent les citoyens, qui tirent sur les gens, et ces barbares, c'est-à-dire c'est incroyable, alors il est sur la presse. D'accord, je le suis, je suis d'accord avec lui que le droit d'informer, et quand vous devez informer, vous donner des informations aux journalistes, alors vous devez avoir également des preuves, chers compteurs guinéens. Mais là, ça n'a plus été, s'il vous plaît. Là, vous l'avez compris, il critique la presse. Il critique seulement la presse, n'est-ce pas? Et rien sur le pouvoir. Il dit seulement le pouvoir ne doit pas fermer, en fait, ses médias. Il dit seulement le pouvoir ne doit pas fermer. Et là, il s'arrête là. Il ne va pas dans les détails. Avec la presse, il dit je vous soutiens. Mais, et là, il va dans des détails. Il va encore plus loin, là, jusqu'au thème démocratie. N'est-ce pas? Plus loin. Chers compatriotes guinéens. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Très bien. Et là, il va loin, Lansana Kouyaté, sur la presse. Voilà, il dit la démocratie, écoutez, elle est importante, elle est simple, mais aussi compliquée. N'est-ce pas? Toujours, il dit bien, ses critiques, cette fois-ci, sur la presse. Vous allez comprendre à la fin que ce monsieur est très content, il est ravi, il est satisfait du fait que alors, ses médias ont été tout simplement, en fait, sanctionnés. Il est ravi. Sans le dire, mais nous sentons dans son discours, dans ses critiques. Alors, dans la démocratie, écoutez, il dit que la démocratie, elle est simple, mais aussi, elle est compliquée. N'est-ce pas? Il dit, bon, ce que les gens ne comprennent pas, il va jusqu'à dire, faut pas que les gens vont dire finalement qu'ils sont en train d'avancer les théories philosophiques. Mais non, il dit, écoutez, la démocratie, alors, a ses spécificités, la démocratie a, disons, multiples formes, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable, hein, un leader politique hein, qui ne sait absolument rien sur la démocratie. Je vais l'apprendre, Lansana Kouyaté. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, des gens comme ça, en Guinée, on les fait disparaître. N'est-ce pas? Des bombes artisanales, on les place, nous ne les voyons plus jamais. Parce que ce sont eux qui retardent la Guinée. C'est clair? Très bien. Parce que regardez ces maçons sur la démocratie. Des maçons sur la démocratie. Il dit, bon, la démocratie, écoutez, les gens confondent souvent. La démocratie, c'est un peu rejoindre le discours de Mohamed Dumbuya à New York quand il dit que la démocratie à l'européen, non, ça ne nous convient pas. C'est un peu dans le même sens. N'est-ce pas? Ce sont eux qui remplissent la tête de Mohamed Dumbuya. N'est-ce pas? Ce vaut rien. Mais c'est vrai, Kouyaté, ce sont eux qui, en fait, quelque part, tombent Mohamed Dumbuya. Alors, il dit que la démocratie, écoutez, américaine, par exemple, disons, est différente de la démocratie française ou suédoise ou anglaise. N'est-ce pas? Ou carrément, écoutez, on va loin. C'est pour dire quelque part que, écoutez, nous ne pouvons pas, en fait, disons, appliquer cette démocratie occidentale. C'est-à-dire que la démocratie occidentale existe. Que, bon, voilà, il y a, en fait, il y a plusieurs formes de démocratie, c'est ça? C'est ce que Lansana Kouyaté dit. C'est incroyable. Et là, il fait la comparaison. Il dit, bon, un exemple pour se faire comprendre. Il dit, vous prenez la démocratie. Il y a des piliers, en fait, fondamentaux, n'est-ce pas? Il dit qu'à part cela, vous verrez qu'il y a des différences. Aux États-Unis, par exemple, il dit, bon, écoutez, aux États-Unis, vous verrez dans un État où la polygamie est acceptée. Dans un autre État, aux États-Unis, la polygamie n'est pas acceptée. Il dit, vous voyez, la démocratie n'est pas la même partout, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Il confond la législation, n'est-ce pas, la législation derrière laquelle se trouve la démocratie, l'idée de la démocratie, et il confond ça avec la démocratie, la doctrine démocratique, la démocratie comme doctrine. C'est incroyable, s'il vous plaît. Il dit que la polygamie est acceptée dans certains États, il cite, je ne sais pas quel État il a cité, où la démocratie est plutôt la polygamie est acceptée, et dans d'autres, non. N'est-ce pas? Et là, il va un peu loin. Maintenant, vous voyez, la démocratie américaine est différente de la démocratie française. Parce qu'il y a différence au niveau de la législation. C'est quand même incroyable. Il ne sait même pas ce que signifie la démocratie. Il ne sait pas. Très bien. Moi, je vais dire à Lansana Kouyaté. N'est-ce pas? Alors, ce que nous demandons en Guinée,
C'est-à-dire la démocratie, comme il dit, il parle, c'est-à-dire confond plutôt, il compare la religion musulmane, n'est-ce pas, le fonctionnement en fait. Il dit, si vous prenez la religion musulmane, n'est-ce pas, elle n'est pas pratiquée de la même façon partout. Par exemple, chez les Arabes et en Guinée, par exemple, il y a une différence. C'est la religion musulmane, n'est-ce pas, la base, le Coran et tout ça. Il dit, si vous allez, par exemple, au Liban, alors il y a une autre manière de pratiquer la religion musulmane, différente de celle, disons, pratiquée en Guinée. Il dit, vous voyez, la religion musulmane, mais chacun, chez soi, disons, essayez de l'appliquer par une autre manière. N'est-ce pas? S'il vous plaît, pour dire aussi que la démocratie, c'est la même chose. La démocratie pratiquée en France ne peut pas être la même chose que celle pratiquée en Guinée, au Gabon, disons, au Ghana ou ailleurs, en Angleterre. C'est incroyable, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, moi, je dis à l'ensemble acuité, brièvement, que la démocratie, n'est-ce pas, l'élément fondamental de la démocratie, et c'est ce qu'on demande en Guinée, l'élément fondamental de la démocratie, c'est-à-dire que les gouvernants sont élus à travers des élections libres et transparentes. Et là, c'est le point commun, et c'est ça la démocratie, le point commun entre, disons, toutes les démocraties, qu'elles soient américaines, françaises, anglaises, ghanéennes, ou je ne sais pas quoi. Parce que la démocratie ghanéenne ou américaine n'existe pas, il n'y a que la démocratie. N'est-ce pas? La structure fondamentale, l'élément qui nous dit que c'est la démocratie, c'est quand les gouvernants sont élus. Tout à travers les urnes et avec un système politique transparent. C'est ça la démocratie, Lansana Kouyaté. C'est ce qu'on demande à la Guinée, seulement ça. Maintenant, les lois, s'il vous plaît, regardez un leader politique. Les lois maintenant votées, Lansana pour Lansana Kouyaté, du fait que, du moment que les lois sont différentes, les lois votées, par exemple, au Sénat américain, et celles votées dans l'Assemblée française sont différentes. Donc voilà, donc la démocratie a plusieurs formes, c'est différent. Mais quand même, c'est incroyable, s'il vous plaît. La démocratie est derrière la législation. Quand les députés se retrouvent, n'est-ce pas, dans l'Assemblée nationale, en Espagne, par exemple, les députés se retrouvent. Il y a le thème, par exemple, le mariage entre les homosexuels, n'est-ce pas, ou l'adoption des enfants par les homosexuels. N'est-ce pas? Dans l'Assemblée, le thème est là, il y a un débat. On veut voter, les députés veulent voter, faire passer cela. Il y a discussion parce qu'il y a un camp qui est contre, un autre est pour. Donc, il y a discussion. L'Ansana Kouyaté, je crois que vous me suivez. N'est-ce pas? Donc, il y a débat pour que la loi passe ou non. La loi va passer. Par exemple, en Espagne, les homosexuels peuvent se marier entre eux ou bien, en fait, le couple gay peut, par exemple, adopter un enfant. N'est-ce pas? En France, par exemple, ou dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple, ce n'est pas accepté. Cette loi n'est pas passée. Cela ne signifie pas que la démocratie anglaise est différente de celle de l'Espagne, du moment qu'en Espagne, telle loi est acceptée. Lansana Kouyaté, vous ne savez absolument rien. Ce qui est démocratique ici, c'est le fait que les députés sont capables de s'asseoir dans une assemblée au Sénat, défendre une idée. Cette manière, ce comportement d'être capable de défendre une idée, surtout impopulaire, surtout d'ailleurs, de défendre cela, c'est ça l'Ansana Kouyaté, la démocratie. Ce ne sont pas les lois, mais ce qui est derrière la votation, la législation, le fait de légiférer ces lois, c'est ça la démocratie. Comment voulez-vous que les lois votées en fait aux États-Unis soient les mêmes en France? Mais ce n'est pas possible. Tout récemment, je crois que c'est dans la semaine la même, en Europe, il y a une loi finalement qui a été accepté au niveau de l'Union européenne, n'est-ce pas? Cette loi sur, en fait, la limitation des vitesses en Europe. Hein? Il y a une loi, finalement, qui, en fait, sera, disons, active à partir du 7 juillet prochain. C'est-à-dire que, concernant la limitation des vitesses, il est dit dans cette loi que tous les véhicules qui seront fabriqués à partir du 7 juin seront munis d'un système d'adaptation intelligente. Ça signifie quoi? Que vous allez sur une route,
où la limitation de vitesse est de 100 km par heure, vous ne pouvez pas dépasser. Vous allez beau faire, accélérer, n'est-ce pas, appuyer sur l'accélérateur, vous ne dépasserez pas les 100 km parce que le véhicule déjà donc est conçu pour ça. Il y a ce système d'adaptation intelligente dans le véhicule qui n'acceptera pas que vous dépassiez les 100 km par heure. À partir du 7 juillet, n'est-ce pas, 7 juillet cette année. Tous les véhicules, tous les nouveaux véhicules qui seront fabriqués seront munis de ce système d'adaptation intelligente. N'est-ce pas? Et ça, c'est en Europe, je dis bien, sur le territoire de l'Union européenne, obligatoire. Cela signifie, l'ensemble qui a été, que du moment, parce que les Européens ont voté telle loi, que la démocratie en Europe est différente de celle de Sousse, mais absolument, s'il vous plaît, ce qui est démocratique ici, c'est cette volonté, n'est-ce pas, de faire un débat sur un sujet, sur un thème si difficile, n'est-ce pas, en fait, que les véhicules, les nouveaux véhicules qui sont fabriqués soient munis de systèmes d'adaptation intelligents. C'est ça l'idée qui est derrière, le débat qui est derrière pour légiférer une telle loi, c'est ça la démocratie lancée en Kouyaté. Et c'est ce que nous demandons à Guinée. Nous demandons seulement, c'est-à-dire que la démocratie, le fondement de la démocratie, c'est-à-dire qu'un président soit élu. N'est-ce pas? Qu'un président soit élu. Et à travers des élections libres et transparentes. C'est cela. C'est cela, l'Ansana Kouyaté. Et depuis que nous sommes indépendants, avons-nous connu des élections libres et transparentes, l'Ansana Kouyaté? Vous parlez de la démocratie américaine, française, je ne sais pas quoi. La démocratie est la même partout. Vous mentez l'Ansana Kouyaté. Elle est la même partout. Le fondement, c'est-à-dire tout par le vote. Tout, rien ne sera imposé. Tout doit être mis sous la table et à travers les discussions. C'est ça la démocratie et ce que nous demandons en Guinée, l'Ansana Kouyaté. Vous mentez. Vous êtes un lâche hypocrite. C'est-à-dire des gens qui sont incapables de dire, de donner des vraies informations aux citoyens. Vous déformez, en fait, les informations. Vous désinformez les Guinéens. Vous êtes tous à éliminer physiquement, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil El Kamara, du Public Cell. Merci pour l'écoute. Bonsoir.